Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau dans le cadre du cours portant sur campagne et plaidoyer afin de faire avancer les droits des femmes dans le secteur extractif. C'est ça, de façon générale, l'objet de ce cours. Et nous avions annoncé que le cours porterait sur quatre modules. Le premier module, c'était d'analyser les impacts des activités extractives, que ce soit au niveau industriel ou artisanal ou à petite échelle, sur les femmes. Le deuxième module portait sur l'évaluation de ces impacts. Il ne suffisait pas tout simplement de connaître les impacts, mais comment les évaluer sur les femmes. Le troisième module, nous avons analysé un peu le cadre juridique et politique et pratique qui encadre un peu, disons, la prise en compte du genre, notamment en Afrique de l'Ouest, y compris au-delà de l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs. Quand on a analysé la vision minière africaine, on a dit clairement qu'elle s'applique à tous les pays membres de l'Union africaine. Dans le présent module, il est question de voir quels sont les outils de plaidoyer de campagne pour une inclusion effective des femmes. Il s'agira fondamentalement de vous permettre de comprendre la manière de faire progresser les droits des femmes dans le secteur extractif et ensuite analyser les autres revendications politiques qui visent à favoriser une gouvernance des industries extractives à la limite féministe ou sensible au genre. Donc, ce qui fait que, sur le premier point, nous allons voir sur quoi doit porter le plaidoyer. Et le dernier point, nous allons voir les autres revendications claires que les acteurs détiennent dans le secteur extractif. Alors, on l'avait dit, l'exploitation minière artisanale et à petite échelle appelée ASM, Artisanal Small Scale Mining, s'est considérablement développée. Aujourd'hui, c'est environ 40 millions de personnes qui sont directement impliquées et 150 millions de personnes qui dépendent même des revenus en termes de subsistance, qui dépendent des revenus issus de ce secteur-là. Donc, jusque-là, on avait très peu analysé la place ou le rôle des femmes dans ce secteur-là, mais il est assez important ce rôle que jouent les femmes dans ce secteur. D'abord, elles représentent environ 30% de la main-d'œuvre totale, jusqu'à 50% dans certaines régions, notamment en Afrique de l'Ouest. Vous verrez qu'au Burkina Faso, au Sénégal de plus en plus, au Ghana, au Nigeria, en Sierra Leone, en Guinée, les femmes sont très impliquées dans l'exploitation artisanale, notamment de l'or, du diamant et d'autres pierres précieuses. Donc, historiquement, des considérations parfois culturelles, voire même cultuelles ou religieuses, ont fait que les femmes ont été reléguées souvent en seconde position, où leur participation n'était pas fondamentalement considérée dans la chaîne de prise de décision. Donc, alors que, paradoxalement, elles sont très nombreuses dans ce secteur. Donc, les activités d'ailleurs qu'elles occupent dans la chaîne de valeur, elles sont résumées au conseillage, au lavage, le tamisage, le triage, etc. La décomposition. Donc, c'est des métiers que je peux appeler un peu marginaux dans le secteur. Donc, cela explique déjà pourquoi les femmes sont marginalisées. Ensuite, c'est beaucoup plus la fourniture de biens et de services, c'est-à-dire le petit commerce qui tourne autour des mines, c'est-à-dire la vente de nourriture, de boissons, etc., ou des services même, c'est-à-dire le transport des minerais, des particules ou les autres aspects que je viens de mentionner, le concassage, le lavage, etc. Donc, c'est des services comme ça que les femmes occupent autour de l'activité minière. Vous avez dit, il y a eu des contraintes qui ont fait que les femmes ne participent pas dans la chaîne de prise de décision. Cela a des impacts particuliers sur les bénéfices finalement que les femmes pourront tirer de cela. Dans le module 1, on avait parlé des défis que les femmes rencontrent souvent dans le secteur. On reviendra sur certains d'entre eux ici et voir comment on peut relever ces défis-là qui ont été déjà identifiés. Alors, ce qui fait que le plaidoyer ou la campagne doit porter sur un certain nombre d'aspects. Mais nous avons identifié deux aspects clairs sur lesquels doit porter le plaidoyer.
sur la base, bien sûr, des impacts que nous avons analysés. Donc, ce qui fait que l'analyse ou la proposition de solutions est basée sur l'analyse des problèmes qui ont été clairement identifiés. Mais aussi, il y a un certain nombre de revendications qui ont beaucoup évolué entre temps, sur lesquelles nous devrons porter le plaidoyer. Mais avant tout, le premier aspect sur lequel doit porter le plaidoyer ou la campagne pour garantir une prise en compte effective des droits des femmes, c'est le fait de garantir une évaluation systématique des impacts sexuels et spécifiques. Ça, au moins, c'est la première revendication. S'il y a un plaidoyer à mener pour que les droits des femmes soient garantis, il faut d'abord garantir une évaluation systématique des impacts. C'est-à-dire, c'est de voir comment le secteur impacte sur les femmes différemment, que ce soit l'activité industrielle ou artisanale. De toute façon, c'est des secteurs qui ont un impact différencié sur les femmes. Et pour cela, dans le module 2, où on analysait un peu les méthodes d'évaluation, on a identifié à peu près trois stratégies ou trois méthodologies. Donc, la première, c'était d'intégrer une perspective genre dans les évaluations d'impact environnemental et social. Cela signifie quoi? Chaque compagnie qui s'installe dans une zone donnée effectue de façon systématique ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental, social et de plus en plus économique. Cette étude-là, nous avons dit, doit intégrer une perspective genre assez fondamentale. Et nous avions largement discuté de ce point-là dans le module numéro 2, c'est-à-dire les méthodes d'évaluation. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième qu'on avait identifiée consiste à réaliser une évaluation autonome de l'impact sur le genre. Autrement dit, dans la première approche, c'est une approche d'intégration dans l'étude d'impact environnemental. Ici, dans la seconde approche, c'est de faire une étude autonome des impacts de l'activité sur les femmes, qui n'est pas intégrée. Elle est autonome, stand-alone, comme le disent les Anglais. Ça, c'est la deuxième méthode. Et la troisième, c'est qu'on avait dit que de plus en plus, les grands projets qui impliquent des impacts sur les communautés doivent avoir une évaluation d'impact sur les droits de l'homme. Donc, une évaluation d'impact spécifiquement orientée sur les questions de droits de l'homme. Ce que nous avons dit ici, c'est que cette évaluation orientée droits de l'homme doit intégrer la perspective genre. Donc, en résumé, première revendication de plaidoyer, il faut une évaluation systématique des impacts des activités extractives sur les femmes. Première approche. Et cette approche-là peut être réalisée sous trois méthodologies que nous venons d'évoquer. La première méthodologie, c'est l'intégration du genre dans l'étude d'impact environnemental. La deuxième méthodologie, c'est réaliser une étude genre ou une évaluation genre spécifique, autonome. La troisième approche, c'est intégrer l'évaluation genre dans l'évaluation d'impact sur les droits de l'homme. Donc, voici les trois méthodologies ou les trois stratégies qui permettraient aujourd'hui d'avoir une évaluation significative des impacts des activités minières sur les femmes. Deuxième revendication, deuxième axe de plaidoyer ou de campagne, c'est favoriser une plus grande participation des femmes. Parce que si elles ne sont pas là, on a l'habitude de dire, quand on décide sans vous, on décide contre vous. Alors, si on le ramène à ce niveau-ci, c'est que la participation des femmes reste essentielle. Donc, deux aspects sur lesquels doit porter le plaidoyer. Un, chaque projet doit avoir systématiquement une évaluation genre. Deux, pour favoriser une plus grande participation des femmes. Ça, c'est fondamental. Quelles sont les approches de participation des femmes? De toute façon, nous avons prévu dans les deux webinaires, un de ces deux webinaires va mettre l'accent sur la participation des femmes. On reviendra de façon plus détaillée sur ces aspects-là. Mais
il y a une forte littérature qui a fait des suggestions, des orientations sur comment on peut garantir une participation effective et qualitative des femmes. Et je crois que le forum intergouvernemental a suggéré quelques approches pour lesquelles nous allons revenir ici. 1. L'accès à la terre, aux licences, c'est-à-dire les permis, et la production, et la protection juridique. En Afrique et dans beaucoup d'autres zones où il y a l'exploitation minière, les femmes, d'abord, ont un problème de jouissance de leurs droits. Et le premier élément, c'est l'accès à la terre, le droit de l'accès à la terre. Par conséquent, si vous n'avez pas la terre, c'est difficile pour vous de pouvoir obtenir les permis parce que un des éléments d'analyse des requêtes d'obtention de permis, c'est d'abord la disponibilité de la terre. Les femmes ont un problème d'accès, ont un problème de contrôle de la terre. Et malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'instruments juridiques qui leur garantissent cet accès à la terre et aux licences ou aux permis d'exploiter. Deuxième élément, c'est l'accès au financement. Si les femmes ont un accès au financement, ça les aide ou ça leur permet de participer de façon significative dans la chaîne de valeur de production des minerais. Et généralement, c'est le fait même de ne pas avoir accès à la terre qui leur garantirait un titre de propriété. Et par conséquent, c'est ce titre de propriété-là qui pourrait servir de garantie devant les banques. Malheureusement, si elles n'ont pas ça, elles n'ont pas accès souvent au financement. Donc, ça constitue une limite fondamentale, l'accès au financement. Donc, si on le garantit, cela favorise une participation des femmes dans la chaîne de prise de décision. Troisième aspect, l'accès à l'information, aux données géologiques et aux réseaux. Donc, d'abord, par le faible taux d'alphabétisation des femmes qui vivent dans les communautés minières, les femmes ont souvent la difficulté d'accès à l'information parce que cette information-là est souvent disponible sur des plateformes auxquelles ces femmes n'ont pas souvent accès. Deuxième chose, elles n'ont pas accès aux données géologiques parce que d'abord le fait du manque d'alphabétisation, mais aussi du fait de manque d'accès au financement, même si elles étaient alphabétisées, constituent des barrières qui font que les femmes n'ont pas souvent accès à certaines données dans le secteur. Quatrième élément, l'accès au soutien institutionnel et aux services. Il y a une grande difficulté pour les femmes d'accéder de façon spécifique à un appui institutionnel venant notamment des gouvernements parce que, et même des autres institutions, que ce soit les agences gouvernementales ou des institutions intergouvernementales telles que la CDAO, l'UMOA, etc. Si vous analysez par exemple le code de l'UMOA, il ne fait nulle part référence aux droits des femmes. Donc il y a ce problème-là. Et aussi, il n'y a pas une institutionnalisation des services dédiés pour pouvoir fournir aux femmes leur soutien institutionnel au niveau des ministères même concernés dans le secteur de l'exploitation des ressources minières. L'accès aux équipements et à la technologie constitue aussi un défi fondamental qu'il faudrait régler pour garantir une participation des femmes dans la chaîne de prise de décision. Donc, cela constitue déjà des blocages. Si les femmes n'ont pas accès au financement, si les femmes n'ont pas accès à la terre, malheureusement, elles n'auront pas les moyens de pouvoir se procurer et les équipements et la technologie requise pour pouvoir au moins exploiter. Alors, il y a deux axes de plaidoyer clés. Le premier, c'est de garantir une évaluation systématique des impacts des activités extractives sur les femmes. La deuxième revendication ou le deuxième axe de plaidoyer clé, c'est de garantir une participation effective et qualitative des femmes dans la chaîne de prise de décision. Mais il n'y a pas que ça comme revendication politique, il n'y a pas que ça comme besoin pour pouvoir favoriser aujourd'hui les droits des femmes ou faire avancer les droits des femmes dans le secteur extractif. Je disais tout à l'heure qu'en 2020, le groupe de travail justice de genre et industrie extractive
dans lesquels vous retrouverez la plupart des grandes organisations qui évoluent dans la gouvernance des ressources naturelles, donc tous les CQP, NRDI, Oxfam et d'autres, FAMNET. Le groupe de travail a réalisé des consultations de ses membres, de ses partenaires, de ses réseaux de la société civile pour élaborer une série de revendications relatives aux droits des femmes et à l'égalité genre dans le contexte de la gouvernance des ressources naturelles et de la crise climatique. Donc, c'était dans le contexte même de, disons, de l'évaluation du processus Beijing plus 25, dans lequel ces organisations-là soumettaient un certain nombre de revendications qui pourraient favoriser la prise en compte des droits des femmes. Nous en avons choisi quelques-unes que nous allons vous présenter à présent. La première, c'est le consentement libre, préalable et éclairé. Quand une compagnie ou quand un projet d'envergure doit s'établir dans une zone donnée, généralement, elle requiert le consentement libre, éclairé, préalable des communautés. L'idée ici, c'est de voir comment ce processus de mobilisation de ce consentement libre, préalable et éclairé doit avoir une dimension genre, c'est-à-dire au-delà du consentement global ou commun des communautés, il faudrait l'orienter sous une dimension genre, c'est-à-dire que les femmes ou les autres couches aussi soient consultées de façon spécifique pour donner leur consentement. Et je disais, les consultations communautaires doivent aussi favoriser la participation significative des femmes. Il ne suffit pas tout simplement de consulter les populations de façon générique, il faudrait de façon spécifique aussi consulter les femmes pour qu'elles puissent énoncer leurs besoins spécifiques dans le secteur. Et en ce sens, Oxfam, par exemple, a développé beaucoup d'outils qui permettraient aux acteurs de pouvoir entreprendre des consultations sérieuses visant uniquement, par exemple, les femmes. Les évaluations d'impact, nous l'avons dit préalablement, elles constituent une revendication phare parce que pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes des femmes, il faut d'abord évaluer comment l'activité extractive impacte sur ces femmes-là. La plupart du temps, quand une compagnie ou quand un projet d'envergure s'implante quelque part, cela implique souvent ce qu'on appelle l'expropriation pour utilité publique, c'est-à-dire que les populations doivent être délocalisées et réinstallées dans d'autres sites d'habitation. Et souvent, cela est accompagné par des mesures de compensation ou d'indemnisation. Malheureusement, ce sont des programmes de compensation ou d'indemnisation qui ne se concentrent que sur les chefs de famille. Et étant donné que les femmes sont rarement chefs de famille, malheureusement, elles ne pourront pas tirer profit de cette compensation. La participation au marché du travail constitue aussi une revendication phare parce que des chiffres qui ont été énoncés, les femmes sont presque inexistantes dans la chaîne d'emploi comparée, par exemple, aux hommes. Donc, ce qui veut dire que cette marginalisation des femmes, aussi bien en termes de nombre, mais aussi en termes d'occupation de postes stratégiques ou même de rémunération, constitue une préoccupation phare des organisations qui ont revendiqué plus de droits aux femmes. L'approvisionnement local. De plus en plus, on se rend compte que l'ensemble des recettes mobilisées par nos États à travers les taxes et les impôts, les salaires et toute autre forme de paiement n'avoisinent même pas la moitié de ce que l'approvisionnement local peut pourvoir en termes de devises. Ce qui fait que l'approvisionnement local constitue une approche ou, disons, une niche à explorer pour pouvoir favoriser la mobilisation des recettes au niveau national. Malheureusement, les entreprises appartenant aux femmes n'ont pas souvent accès au marché d'approvisionnement local parce que les compagnies s'approvisionnent beaucoup en termes de biens et de services. Malheureusement, là aussi, les entreprises dirigées par des femmes ou appartenant à des femmes n'ont pas souvent les facilités d'accès au financement et au capital de sorte qu'elles puissent soumissionner et répondre à ces appels d'offres en lien avec l'approvisionnement local. La participation politique aussi des femmes à la gouvernance des ressources reste une préoccupation majeure. L'ITE, par exemple, il y a quelques années,
une évaluation qui a été réalisée par Publius et Coupé et certains de ses partenaires avait montré que les femmes ne participaient qu'à hauteur de 19% au niveau mondial dans la mise en œuvre de la norme mondiale d'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et c'est le même phénomène qui se reproduit dans toutes les instances de gouvernance politique du secteur. Malheureusement, les femmes sont marginalisées ou n'existent presque pas dans ces espaces de prise de décision. Ce qui fait que la participation politique des femmes constitue une revendication majeure. Quand les entreprises s'installent aussi, elles ont souvent, dans beaucoup de pays, l'obligation de procéder à ce qu'on appelle une due diligence, c'est-à-dire la diligence raisonnable. Et littéralement, c'est comme ça qu'on pourrait la traduire en français, c'est-à-dire c'est une sorte d'évaluation institutionnelle de l'entreprise, mais à ce niveau aussi, je crois que la question du genre devrait figurer en priorité pour au moins garantir les droits des femmes dans le secteur extractif. La santé sexuelle et reproductive des femmes est aussi souvent à la limite affectée parce que les projets miniers impliquent une sorte de pollution environnementale qui provoque souvent des maladies. Mais au-delà de cela, les femmes sont souvent exposées à des maladies sexuellement transmissibles dans le VIH dans les milieux, disons, vulnérables ou les milieux communautaires. Donc, ce qui fait que ce sont des milieux qui ont souvent des déficits en termes d'offres de services de santé. Malheureusement, la santé sexuelle et reproductive des femmes est souvent impactée à ce niveau-là. Donc, cela reste encore une revendication majeure des organisations des femmes. La violence basée sur le genre et la traite des personnes reste une préoccupation que toutes les communautés partagent dans le secteur extractif. Les femmes sont soumises à toute forme de viol et de violation de leurs droits, notamment les violences et la traite des personnes. Elles sont souvent exploitées sexuellement et souvent c'est des traites des êtres humains même qui s'opèrent dans ce milieu-là. Il y a de plus en plus des organisations de femmes ou des femmes même qui défendent les droits de l'homme, qui défendent les droits de leurs sœurs. Et généralement, c'est des activistes qui sont souvent brimés ou bien l'espace civique ne favorise pas l'expression, le droit à l'expression, le droit au rassemblement, le droit à la réunion à ces organisations de femmes ou à ces femmes défenseurs des droits. Malheureusement, dans plusieurs pays, il y a une restriction de l'espace civique qui ne favorise pas le droit. Donc, la protection des femmes et des femmes défenseurs des droits reste encore une préoccupation. L'accès à la justice et à la réparation. Au cas où les femmes sont victimes parfois d'abus de la part des activités extractives ou bien des personnes qui opèrent dans ces milieux-là, elles n'ont souvent pas accès à la justice sur des questions notamment de viol ou de violation de leurs droits ou de violences corporelles et de sévices. Elles n'ont pas non seulement accès à la justice dans plusieurs cas, mais elles n'ont pas accès à la réparation aussi. Donc, il y a beaucoup d'exemples qui sont assez documentés qui permettraient de voir des études de cas précises sur cette question-là. Dans beaucoup de pays aussi, notamment en Afrique de l'Ouest, les gouvernements ont développé des mécanismes de partage des revenus, ce qui fait que malheureusement, jusque-là, ces mécanismes-là ne favorisent pas l'égalité de genre, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas souvent ou n'ont presque pas une quelconque part qui leur est dédiée. C'est pourquoi récemment, par exemple, certaines organisations de la société civile, dont Oxfam, sont en train de mener une campagne visant à garantir au moins attribuer 30% des revenus ou des recettes mobilisées par les États, les attribuer aux femmes ou aux projets visant les femmes. En termes de justice fiscale, malheureusement, les mécanismes fiscaux ou les régimes fiscaux développés dans la plupart des pays riches en ressources naturelles, notamment les pays du Sud, ne favorisent pas aussi l'égalité de genre. Et il y a au moins un grand réseau qui est en train aujourd'hui de développer des campagnes de sorte qu'il y ait une justice fiscale qui favorise aussi les droits des femmes dans la plupart des pays qui sont riches en ressources naturelles. Les données. Les données sont importantes. Nous l'avions dit, je crois, dans un des modules précédents. La publication des données reste
essentiel. Et c'est quoi? Et c'est toute l'essence même de la norme ITE. C'est une norme qui vise à favoriser la publication des données, mais aussi des données désagrégées par genre. Je crois qu'en ce sens-là, quand nous analysions les politiques et les pratiques, nous avons fait un arrêt sur l'ITE avec les 4 exigences qui favorisent le genre. Mais c'est toujours important que les données soient ventilées par genre, par sexe, de sorte qu'on puisse identifier quels sont les gaps en termes de prise en compte des femmes. Donc, ça peut être les données sur les droits, les données sur les bénéficiaires de compensation, les données sur l'emploi, sur les paiements sociaux, sur les transferts, etc. Donc, ce sont assez de données qui pourraient favoriser aujourd'hui la prise en compte des droits des femmes. Donc, en résumé, voici les quelques éléments que nous souhaitions partager avec vous sur ce dernier module portant sur les loyers et campagnes visant à favoriser le respect des droits des femmes. Nous restons ouverts aux questions, aux commentaires. Il y a un forum en ligne qui est animé 24 heures sur 24. Posez vos questions, partagez vos expériences. Ça nous permettra d'enrichir le débat. Je vous remercie.